de vous accueillir pour la séance grand public ce soir à Montier-en-Guerre de la petite troupe. Donc, dans un premier temps, je souhaitais faire les remerciements qui sont importants. Donc, je souhaitais remercier la municipalité pour la mise à disposition de cette salle, tant pour les répétitions que pour les représentations. Je souhaitais également remercier la DRAC et l'ARS pour leur soutien financier dans le cadre d'un appel à projet que nous avons remporté, Culture Santé Grand Est. Je ne sais pas s'il y a une représentante, mais alors, merci. Dans un deuxième temps, je souhaitais vous remercier, vous, pour votre présence nombreuse. Je souhaite vous remercier d'avance de fermer vos téléphones, de faire attention aux flashs, etc., pour ne pas déranger nos acteurs. Je vais donc découvrir avec vous cette pièce, au titre énigmatique, un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire ça roule. Découvrir le travail important qui se déroule depuis septembre, mercredi après-midi, mais aussi les semaines de résidence. C'est effectivement un sacré travail pour une troupe qui se renouvelle tous les ans. Troupe constituée d'anciens jeunes, drôle d'expression, de nouveaux jeunes et de professionnels toujours jeunes. C'est un travail également des jeunes de l'entre-deux qui ont participé à la réalisation des décors. Je vais reprendre en partie les mots d'Alexandre, chef de service de l'IME, qui a su expliquer lors des précédentes représentations, qui a su expliquer les dessous de cette petite troupe. Pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc la petite troupe, c'est apprendre. Apprendre à être acteur, savoir se déplacer sur scène, appréhender les techniques scéniques, faire des exercices d'improvisation. C'est aussi apprendre à s'exprimer. C'est la petite troupe qui crée ses textes qu'il faudra ensuite connaître par cœur. C'est encore apprendre à vivre en groupe, à vivre ensemble, notamment pendant les séjours de préparation et de création. C'est apprendre à s'encourager, et il en faut du courage pour faire la représentation devant vous, apprendre à faire attention à l'autre et aux autres. Enfin, entrer dans la petite troupe, c'est apprendre la persévérance. C'est en effet la 5e représentation en 2 jours, et il y en a une 6e demain à 18h à Saint-Dizier dans le cadre de Mécène. Et maintenant, c'est à nous d'apprendre en découvrant leur regard porté sur la société. C'est avec une grande fierté que je leur laisse la place. Et je vous remercie d'applaudir Cécile, Chloé, David, Florent, Fred, Jean-Luc, Laurie, Marie, Mohamed, Nathan, Renaud, Sergio, Sophie et Théo, sans oublier Guillaume à la technique. Merci pour eux. Ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que je sens que je vais être malade. J'ai la gorge qui pique. Comme la semaine dernière. C'est ça. Très bien. Vous avez un arrêt maladie? Oh, je... Bon, attendez. Là, celui-ci, il est pas mal. Ah non, c'est pas gorge qui pique, ça. Oui, mais il est bien, quand même. Non, c'était il y a 3 semaines, c'était le pouce. Ah, je vais t'en Celui-ci. Ouais, très bien, allez, rentrez chez vous, de toute façon, vous êtes inutile.
dire la dame aux oiseaux qui traverse notre village, notre beau village fleuri, qui, à la recherche de ces oiseaux disparus. Germaine et Lolotte, deux oiseaux avec des plumes et des ailes. Ils sont magnifiques. Magnifiques. C'est mes perles rares. Ce sont ces perles rares. Je vous demande d'aider cette dame, de ne pas mal la considérer, même si elle vous paraît un peu perchue. Mais... perchue, c'est sur un arbre. Ou sur un nuage, cela dépend. Venez, je vais vous inscrire sur les registres de la mairie. Merci, monsieur le maire. De rien. Merci, mes concitoyens. Thank you.
Thank you.
les cherche. Ouais. Qu'on le mette en prison avec les autres. Thank you.
Thank you.
On va pas se laisser faire. Ça fait peur. C'est horrible. C'est la guerre. C'est la faute des étrangers. Le travail. Les honneurs. Oh. Oh. Oh, c'est scandaleux. Oh, les foutus. On va se faire envahir. C'est la catastrophe. On va pas se laisser faire. Ça fait peur. C'est horrible. C'est la guerre. C'est la faute des étrangers. Le travail. Les honneurs. Oh. Germaine, Lalotte, vous êtes où?
Ça vole. Ça roule. Ça vole. Ça roule. Ça vole. Ça roule. C'est compliqué. Ça roule. Ça vole. Ça roule. 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 Ils sont deux.
C'est un frère et une sœur. Il y en a un qui roule et une qui porte du service. Ce sont deux personnes magnifiques. Ce ne sont pas des voleurs. Ce sont des voyageurs. Ils ont envie de faire le tour du monde pour expliquer aux gens toute la vie qu'ils mènent, pour rencontrer. Je vous demanderai donc de les accueillir avec envie, tolérance, générosité. C'est après tout la marque de notre village. Pour vous remercier en avance, je vous offre un concert avec le chanteur à la mode. Je vous demande de faire une ovation pour ce grand chanteur qui va arriver tout à l'heure, qu'on appelle Renaudo. Merci, 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 non, merci, merci. Dans 5 minutes, le concert de l'amour. Je vais trouver l'amour ce soir. Ah, attention toi. Si c'est non, c'est non, hein. Tranquille, voisine. On va m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Regardant les gens, tant qu'il y en a. Te parler du longtemps qui est mort, qui reviendra. En serrant ta main, tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur faire des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui zarde les murs. Qui sert à guérir les blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot. Les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand. Sac et mytho. Canafron et Mistral gagnant. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du longtemps qui est mort, qui reviendra. En serrant ta main, tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur faire des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui zarde les nuits. Qui sert à guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot. Les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez marchand. Carnafron. Mistral gagnant.
C'est un garçon, non? Visiblement, ils le sont pas comme ça. Tu se prends pour une fille? Non, ce n'est pas ça. Ah ouais, d'accord. Je suis une fille. Et moi, un garçon. Et moi, je sais pas. Qui? Garçon. Pop 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 p
On a trouvé notre voleur. Sur coup. Ouais. On va pouvoir l'arrêter. Ouais. Le mettre en prison avec les autres. Ouais. Et après, apéro. Sandria. Dire Théo.
Sergio. Lobby. Florent. Cécile. Mohamed. Lacan. Chloé. Marie. Bruno. Fred. Jean-Luc. À la régie son et lumière, Guillaume. Une certaine Anna Gavalda a dit « Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. » Et je rajouterai alors d'un certain Marquis Kirio, chercherai sur Internet, « Les préjugés viennent de l'œil et non du cœur. » Je pense que c'est ce qu'on a dit.